Salut à tous, c'est Mister Legend Vogue. J'espère que vous allez très bien les amis. Pour moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui on va se faire une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, les 10 choses qui vont faire rager sur Modern Warfare. Il y a des choses qui vont rager notamment sur Modern Warfare remasterisé. J'en ai choisi au moins 10. Vous allez les voir tout de suite. Allez les amis, vous laisse et on se retrouve pour la position numéro 1. Allez, c'est parti. Et donc voilà, on se trouve sur la position numéro 10. On va parler des lance-grenades. Vous le savez tous, les lance-grenades. Donc je vous laisse admirer le petit gameplay en moitié. Comme vous le voyez dans le gameplay, il y a un mec qui joue lance-grenade. Et vous le voyez que lance-grenade sur ce code 4 remasterisé est vraiment assez cheaté. Moi j'en ai vraiment... des fois je vois rarement des gens jouer avec le lance-grenade. Mais là quand vous voyez cette vidéo et vous allez me dire putain les mecs ils commencent à jouer au lance-grenade sur le code remasterisé en plus sur PS4, là vous allez me dire putain ils nous font vraiment chier. Donc voilà, donc moi les lance-grenades ça me fait vraiment chier. J'en vois pas beaucoup de gens qui jouent avec ça, mais ça fait toujours plaisir. Enfin ça fait toujours plaisir pour les gens, après ils jouent comme ils veulent, mais c'est toujours comme ça la communauté. Mais vous allez voir il y a plusieurs choses qui vont faire rager encore. Donc voilà, on va passer à la position numéro 9. On va parler de la vie et la vie très très bas. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, donc on se trouve sur la position numéro 9 et on va parler de la vie trop basse sur Modern Warfare remasterisé. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la vie sur Modern Warfare remasterisé, mais je pense avoir la réponse. Je sais pas, je suis pas le seul. Peut-être Monsieur Louis12 l'a dit dans sa vidéo. Je ne suis pas le seul à avoir la vie, enfin, à voir la vie sur très bas sur Modern Warfare remasterisé. Perso, je pense qu'ils ont fait les patchs pour Call of Duty Infinite Warfare. Donc du coup, vu qu'ils ont fait les patchs de Call of Duty Infinite Warfare, ils ont dû le mettre sur Modern Warfare remasterisé. Ils se sont dit, on va pas se faire chier à faire d'autres patchs, on va faire le même patch que sur IW. Et ben voilà, donc je pense que c'est un peu ça. Comparé, vous allez voir que c'est la même vie que sur Infinite Warfare. Vous mourrez à la vitesse, mais à l'allure. Il y a des gens, ils vous mettent 2 balles ou même 3 balles. Vous allez voir, la M16, je vais vous montrer tout à l'heure dans les top, dans le 6, vous allez voir que dans le gameplay, je vais vous montrer pas mal de gameplay. Donc voilà, là je vous montre une petite vidéo comme quoi, vous avez vu, la vie est très 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 chiant. je vais vous montrer le gameplay. Allez, à tout de suite, je vous montre le gameplay. Notre drone est activé. Donc voilà sur la position numéro 8 et on va parler cette fois des flashs. Vous allez voir un gameplay où je me suis fait flasher pendant 20 ou 30 secondes. Vous allez voir que le gameplay que je vais vous montrer tout de suite, vous allez être attentivement, vous allez être attentivement à regarder, vous allez voir le gameplay, comment vous allez être compté, combien de secondes vous allez être flashé. Parce que moi, les flashs sur Modern Warfare, entre Modern Warfare et les autres Call of, c'est vraiment cheaté, je trouve. Sur Code 4, c'est vraiment cheaté les grenades.
pire qu'un W3, enfin même un W3, mais je comprends pas. Il y a des gens qui sont flashés, allez, 5 secondes, moi je suis flashé 10 secondes ou 20 secondes, ou même 25 secondes, voire plus. Donc c'est le truc. Donc moi les flashs, ça commence à vraiment me sortir des yeux. Donc voilà, donc je vous laisse admirer le gameplay et après on se retrouve à la position numéro 7 pour les spawn kills. Allez, à tout de suite. Je vous laisse admirer le gameplay des. Et donc voilà, on va se retrouver sur la position numéro 7, comme vous le savez tous, les spawn kills sur MW4, enfin Code 4 remasterisé, en, comme on dit, Modern Warfare remasterisé, parce que moi je le dis tout le temps, il faudrait me le dire, que je le dise Modern Warfare MW. Donc voilà, donc sachez-le que les spawns, que vous allez voir le gameplay que je vais vous mettre, les spawns sont vraiment cheaté sur la map shipment. Il n'y a pas que sur cette map, vous allez voir que j'ai pas fait d'autres gameplay, mais sur cette map c'est vraiment le spawn kill, hein. Vous allez voir que en domination, alors là ils sont très forts en Infinity Ward, ce qu'ils nous ont fait, c'est de mettre les spawns sur cette map en domination, mettre ce mode en domination. Pourquoi, je ne sais pas, parce que ça spawn très beaucoup, mais ça fait vraiment augmenter le level, perso moi ça me range. Mais pour certains, ça fait vraiment péter le ratio. Mais il y en a qui se font des triples, des quadriples sur cette map. Il n'y a pas que sur cette map, il y a d'autres maps. Hein. Je n'ai pas fait de gameplay, mais sachez-le que sur la map Bog, les mecs qui campent l'autre côté, on les retrouve devant nous. Tu spawns, ici, derrière, ils spawnent devant. Alors, normal, le spawn, il est un peu cheaté, il est un peu abusé, mais il est un peu cassé, mais c'est pas grave. Donc voilà, moi je vais vous laisser regarder cette vidéo et on passe après à la position numéro 6, la N16. Vous allez voir pourquoi je vous en parlais, vous allez voir des gameplays pas mal à la N16 qu'il fait mal. Allez, à tout de suite, je vous laisse améliorer le gameplay et à tout à l'heure pour la position numéro 6. On y va. Hélicoptère ennemi en approche. On sécurise, bravo. Donc voilà, on va se retrouver sur la position numéro 6 et vous allez voir que la M16 M4 fait vraiment très 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 mal sur Modern Warfare remasterisé, comme on dit MWR. J'en ai marre de dire Cold Modern Warfare remasterisé. Alors vous allez voir que le gameplay que vous allez voir tout de suite à la M16 fait très mal. Il y en a qui me mettent des 2 balles, même voire je leur mets 4 balles, 5 balles, mais il y en a qui te mettent une balle, 2 balles. Je sais pas, mais je vous laisse améliorer le gameplay de la M16 et on se trouve à la position numéro 5 pour les martyrs, parce que les martyrs, il y en a qui jouent pas mal avec les martyrs. Allez, à tout de suite, et je vous laisse améliorer le gameplay et on se trouve à la position numéro 5. Thank you.
voilà, donc on se trouve sur la position numéro 4, non, numéro 5, excusez-moi, les martyrs. Vous allez voir que les martyrs, alors j'ai pas de gameplay au niveau des martyrs sur Game of, parce que j'ai pas trouvé vraiment de personnes qui jouent être martyrs, mais j'en ai vu pas mal quand j'ai fait mon live. J'en ai vu vraiment pas mal qui jouaient la martyre, et quand vous êtes en série de série de 30 ou en série de points, ça fait vraiment chier, ça fait vraiment péter tous vos kills. Moi perso, j'ai eu à faire deux fois, trois fois, quatre fois, ça m'a pété les séries, même parce que j'étais en 25 kills, je pense, sans mourir. Et dommage que j'ai pas le gameplay parce que je l'ai pas enregistré, j'ai complètement zappé, je pouvais pas savoir que j'allais le faire. Mais martyr, oh là là, martyr, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Donc voilà, c'est l'atout que j'aime pas. Il y a pas que ça, il y a barreau d'honneur. Barreau d'honneur, je vais vous en parler après dans le top des deux. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Mais j'ai pas de gameplay aussi. Mais vous allez voir que je vais vous en parler. On va se remettre sur la position numéro 4. Les campeurs, on va passer direct. Il y a pas de gameplay, on passera direct aux campeurs. Là, j'ai du gameplay sur les campeurs. Et donc voilà, on se trouve sur la position numéro 4 pour les campeurs sur Call of Duty Modern Warfare remasterisé. Color of NWR, bien sûr, je ne me suis pas trompé cette fois. Sachez-le que les campeurs sur Modern Warfare remasterisé, ils font la même chose depuis 2016. Et là, vous allez voir que j'ai fait un gameplay où il y avait un mec qui était, comment dire, accroupi. Il était en train de viser, il était en train d'attendre, je l'ai cuté. Mais vous allez voir le gameplay, je vais vous montrer tout de suite le gameplay sur ce campeur là. Après il y en avait d'autres, mais il y en a pas mal qui campent dans les coins, comme notamment c'était sur Crossfire, il y en avait des mecs qui campaient au fond au snipe, alors qu'on était en domination, ils campaient dans les baraques au fond, c'était vraiment énorme. Mais vous allez voir, je vous laisse améliorer le... je vous laisse améliorer... excusez-moi. Admirer le gameplay du campeur que j'ai pu cuter, et vous allez voir d'autres campeurs sur le gameplay. Allez, à tout de suite, je vous laisse, et on va passer après sur la position numéro 3. Allez, je vous laisse, et je vous laisse admirer le gameplay. Position numéro 3 pour les grenades sur Modern Warfare remasterisé. Vous allez voir que les grenades font très mal sur Modern Warfare, parce que même si vous êtes allé à une petite minute près de quitter le champ de grenades, vous êtes mort, vous êtes mort total. Vous allez voir que le gameplay, c'est un petit gameplay encore, j'ai pas pris vraiment trop de gameplay en gros, en largeur, mais sachez-le que le petit gameplay que je vous montrais de 8 minutes, enfin de 8 secondes, notamment à la grenade, le mec quand il va jeter la grenade, vous allez voir que vous allez exploser largement, mais largement, je vous le dis, hein, j'étais à je sais pas combien de centimètres, enfin combien de mètres de la grenade, mais vous allez voir que la grenade fait de l'effet et ça va nous éclater. Ça, c'est très chiant, j'ai pas mal vu de gameplay. Si on regarde sur mes lives, quand je saute à la grenade, vous allez voir que c'est vraiment épique. Donc voilà, je vous laisse regarder le petit gameplay de 6 secondes et après on se retrouve pour la position numéro 2, les barreaux d'honneur sans... Et donc voilà, on va se retrouver sur la position numéro 2 pour les barreaux d'honneur sur Modern Warfare remasterisé notamment. Mais il n'y a pas que ça, des barreaux d'honneur, il y en a plusieurs sur Call of Duty. Mais sachez-le que les barreaux d'honneur sur Modern Warfare remasterisé sont vraiment archi-cheatés, parce que j'ai eu des gameplays, vous allez voir des lives, j'ai pas de gameplay notamment dessus, mais vous allez voir que sur les lives que j'ai fait, je suis tombé sur plusieurs barreaux d'honneur, et il y en a qui me mettent vraiment des une balle au pistolet. Vous allez voir que c'est étonnant
là j'ai pas de gameplay, mais regardez mes lives que j'ai fait en plusieurs fois, vous allez voir que je, sur certains lives, je suis tombé sur des barreaux d'honneur, ils m'ont mis une balle de pistolet, et c'est vraiment cheaté. Moi je trouve ça vraiment cheaté, les barreaux d'honneur. Ça fait vraiment péter les séries, mais c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent, ils font la même communauté, c'est la même communauté sur Modern Warfare remasterisé, mais c'est ça pas changé depuis 2017, mais ça joue moins quand même au masto, quand même on va se trouver sur la position numéro 1 pour le masto. Et donc allez, voilà, on va finir pour la première, pour la dernière et la dernière des premiers tops dans le top 10 des choses qui font rager, le tout premier bien sûr des choses qui font rager, le mastodonte sur Code 4 est l'atout le plus cheaté. Il y en a qui me disent que l'atout sert parce que la vie est plus bas. Il y en a qui jouent avec ça. Donc. Mais j'en vois beaucoup qui jouent en domination, en match à mort par équipe. Mais de moins en moins, chaque semaine, ça commence à y arriver. Mais le mastodonte est vraiment trop cheaté. Faut vraiment, le, je sais pas, l'enlever ou je sais pas. Mais ceux qui jouent au mastodonte, c'est vraiment des gamins, ils font tout le temps la même chose depuis 2007, ils jouent tout le temps en mastodonte, et moi j'en ai ras le cul, parce que ça fait péter vraiment des séries. Et il y en a qu'en plus, ils jouent barreau d'honneur, plus mastodonte, oh là là, le mec non seulement il est touché, mais il meurt pas, mais après il est par terre, c'est ça le truc. Mais non plus que même, sur le mastodonte, ça fait vraiment chier les boules pour tout le monde parce qu'il y en a qui campent dans les coins avec mastodonte et on se demande qu'est-ce qu'ils font. Je sais pas, moi je vois pas l'utilité. Enfin, je sais pas, moi je joue perso pas au mastodonte. Au début, quand tu joues, c'est un peu normal, tu mets le mastodonte, mais après tu arrêtes de jouer. Moi j'ai pu jouer, je vois passe-passe notamment, mais je joue pas au mastodonte. Moi je vous le dis direct, les personnes qui jouent au mastodonte, c'est que vraiment ils veulent camper, ils veulent pas mourir, mais je suis d'accord avec vous que la vie est trop basse sur Modern Warfare, de camper, de mettre des mastodontes, mais de camper plus par honneur et mastodontes, c'est bon, ouais, oui, mais faut arrêter. Donc voilà, donc c'est des choses qu'il faut raver, sur le top des toutes premières choses, c'est le mastodonte, voilà. Donc moi je vais vous laisser sur cette fin de vidéo des top 10, qui vont vraiment raver des choses, sur Modern Warfare masterisé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est pour la fin de ce touche, cette vidéo. Et mettez un pouce bleu si la réponse de cette petite vidéo. Allez, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite le bonheur et que de bonnes choses. Et à tout le monde pour le fun. À la fin prochaine. Ciao!